Aussi bizarre que ça puisse paraître, j'ai décidé de supprimer tous les réseaux sociaux, à savoir Instagram, Twitter, Snapchat, Facebook, Messenger, etc. Mais avant toute chose, salut à toutes et à tous, c'est Tikija, autrement j'appelais ma chaîne YouTube Master Hero, mais là ici c'est Tikija, donc du coup j'ai fait la nouvelle mise à jour. Bon, vous avez sans doute remarqué, ceux qui sont là depuis, mais dans cette nouvelle vidéo, je vous annonce que, j'ai supprimé tous les réseaux sociaux. Tout. Alors, pourquoi ? On va d'abord commencer par faire un petit peu de contexte. Déjà, il faut savoir que moi, à la base, je suis pas attiré par les réseaux sociaux. Je suis vraiment pas attiré par ça de base. Ça m'intéressait pas. Déjà, quand j'étais petit et que je voyais tout le monde qui était sur Facebook ou Snapchat ou des trucs comme ça, qui étaient en mode... vas-y, inscris-toi, c'est à la mode et tout. Moi, j'étais en mode, non, ça m'intéresse pas. Et puis, quand je regardais parfois les reportages sur les comptes qui se faisaient pirater et tout, je me disais, non, Facebook, là, ça ne m'intéresse pas. Les réseaux sociaux, là, ça ne m'intéresse pas. Et puis, tu postes les photos, ta tête, tout ça. Non. Puis, bon, finalement, en 2016, je crois, quand j'avais eu un téléphone qui me permettait d'avoir les réseaux sociaux, on me dit, mec, quoi, j'avais ça. Parce qu'avant, j'avais un BlackBerry. Donc, bon, j'avais pas forcément accès à Snapchat et tout comme ça. Mais bref, en tout cas, quand j'ai commencé en 2016 à m'inscrire finalement sur les réseaux sociaux, bon, au début, c'était cool avec Snapchat. C'était cool parce que je retrouvais des amis, des potes, on avait parfois des longues discussions, parfois on s'envoyait aussi les têtes avec le filtre de Snapchat, des trucs comme ça. Bon, c'était drôle. Puis au fur et à mesure, 2016 ça allait, 2017 ça allait aussi, 2018 pareil. Et puis vers 2020 j'ai commencé à développer du désintérêt pour les réseaux sociaux. Enfin, en tout cas 2020, voilà, je m'intéressais déjà plus trop à Snapchat. Même si 2020 c'est là où il y avait le Covid, donc forcément on était tous à la maison. Donc principalement je faisais du contenu sur Instagram, beaucoup plus de montage. Donc je faisais les montages principalement de Super Smash Bros. Et bon, là j'ai gagné en popularité, donc là j'avais plus de 1000 followers, des trucs comme ça. Vu que je jouais principalement mon personnage, vous connaissez ma chaîne, je joue principalement Dark Pit et Pit. Donc j'étais connu sur ça, sur Instagram. Donc voilà, ça m'a fait gagner une petite popularité, j'ai pu rencontrer des joueurs, je me suis fait aussi des petits amis là-bas, donc c'était grave sympa. Mais au fur et à mesure que le temps avançait, déjà Smash Bros finissait son développement, donc Smash Bros Ultimate finissait son développement, et puis trop de personnes se faisaient s'intéresser au jeu, quoi. Et vers justement ce moment-là, j'ai commencé un petit peu à arrêter de jouer à Smash Bros déjà, parce que j'avais les études, vous le savez, maintenant j'étais en Master 1, donc là maintenant j'ai validé mon année, je suis maintenant en Master 2, donc... Je suis un petit peu plus concentré sur les études qu'avant. Donc j'ai eu moins le temps de jouer au jeu, donc je m'intéressais plus trop à la scène compétitive, même si je me débrouillais bien. C'était une bonne performance, je faisais respecter mon personnage, tu vois. J'ai mis respect par rapport à ça, donc c'était grave cool. Mais ça ne m'intéressait plus trop de jouer à Smash Bros. Et je voulais un petit peu tourner la page et changer le jeu. Donc je sais pas si vous avez vu, je pense que vous l'avez vu, je fais maintenant des montages de Mario Kart, puisque Mario Kart a eu des nouveaux DLC. À quand viendra Mario Kart 9? Je ne sais pas. Mais il s'avère que Mario Kart 8, on va y rester pendant très longtemps. Mais en même temps, c'est un très bon jeu, donc voilà. Bref, c'est pas là le sujet. Donc pourquoi j'ai pratiquement décidé? J'ai pas fini ma petite histoire. Faut savoir que surtout en 2022, donc du coup cette année, mon compte Instagram s'était fait pirater par un compte, par un autre compte, vous savez, ça s'était fait pirater, j'ai essayé de récupérer le compte, malheureusement je n'ai pas réussi parce qu'à chaque fois que je regagnais la connexion, il avait fait un truc, il arrivait à voir en fait tout ce que je faisais sur le compte, donc du coup, la seule solution c'était de supprimer le compte, on noterait par évidence que j'ai signalé Instagram, mais Instagram n'a rien foutu, il a fallu que je fasse des procédures magiques et je ne sais quoi pour supprimer, mais Dieu merci j'ai pu le supprimer. Donc j'ai dû recommencer mon compte Instagram à zéro. Et c'est là que j'ai été de moins en moins motivé. Pourquoi? Parce que déjà, le compte Instagram que j'avais avant, il avait plus de 6 ans quand même. J'avais créé en 2016, en 2022. 6 ans, 6 ans de travail quand même qui partent à l'eau comme ça, ça fait mal sur le coup.
Mais je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais essayer de refaire et puis on verra. Et puis après, quand je continue, bah, je vois que c'est plus trop ça en fait. Je me dis, mais attends, mais pourquoi je fais tout ça en fait? Pourquoi je cherche à faire ça? Pourquoi je me donne à faire plein d'efforts sur le compte? Et le pire, c'est que je faisais des montages mieux que ceux que je faisais avec mon ancien compte. Mais j'avais quoi? J'avais maximum 80 vues. Alors qu'avant, et ça, c'est le truc qui est chiant, avant, j'avais plus de 1000 vues. Mais ça, c'était après avoir bien mis les efforts, tu vois. Donc déjà, pour faire en sorte que l'algorithme, déjà c'est le premier point, pour faire en sorte que l'algorithme te remarque, faut que tu mettes un truc, enfin faut que tu mettes un effort inconcevable dessus, et ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça fatigue, ça saoule, c'est chiant, voilà. Et quand tu vois que l'autre, à côté, surtout un autre hein, qui met un contenu vraiment, bon, je suis pas là pour juger en général. Mais parfois, surtout quand vous regardez les... Je sais pas si vous avez vu parfois Smash sur Instagram. Mais parfois, il y a des posts, vous vous posez des questions, vous vous demandez, mais c'est quoi l'intérêt d'avoir posté ce clip-là, tu vois? Et ça a plus de 900 j'aime, plus de 900 vues, plus même de 10 000 vues parfois. Et tu te dis, mais attends, mais il y a une connerie dans le potage. Mais ouais. Donc voilà, j'ai un petit peu commencé à développer ce désintérêt pour les réseaux sociaux. Surtout, ça a d'abord commencé avec Snapchat. Donc voilà, donc avec Snapchat, je me suis dit, bon, déjà, je fais plus trop de stories dessus. Ça m'énerve de voir un petit peu d'avoir les notifications partout. Donc j'ai commencé par supprimer Snapchat. Le premier, vraiment le premier obstacle, c'était de supprimer Snapchat parce que je n'avais plus l'intérêt dessus. Je ne voyais plus l'intérêt de faire des stories. Je ne voyais plus l'intérêt de faire des snaps. Et ça, par contre, envoyer les photos à une personne pour essayer de maintenir une communication, alors que en fait la communication c'est juste t'envoies une image et l'autre reçoit l'image, il envoie une autre image après fin de la conversation pour montrer entre guillemets que vous êtes meilleurs amis. Ouais, c'est un peu, c'est pas ouf. Enfin, on a vu mieux quoi en termes de communication et de conversation, tu vois. Donc déjà je me disais ça. Déjà Snapchat, ça je savais que ça il fallait delete. Le deuxième truc que j'ai enlevé et comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'était Twitter. Twitter. Ça me saoule. Franchement, bon, je faisais rien dessus, hein, j'avais rien dessus. Mais ça me saoule à quel point les gens sont négatifs. Mais quand je vous dis négatif, c'est négatif à un point. Le moindre sujet sur TikTok, sur Twitter, pardon, sur Twitter, les gars, ils pouvaient être les plus négatifs. Et Smash Bros, j'en parle même pas. Hein. Smash Bros, j'en parle même pas. Mais bon, ça c'est. Je dirais que Smash Bros, c'est le minimum des problèmes. C'est le cadet des soucis. Mais toute une information négative sur Twitter. Ah, vous étiez sûr d'en trouver, tu pouvais jouer. Tu pouvais juste passer la journée dessus et ça saoulait. Et le truc qui m'énervait avec Twitter, c'est que je recevais des notifications à chaque fois. Pff, il y en a marre. Mon cerveau, il en a marre. Il a dit stop. Donc déjà, Twitter, ça aussi, c'était ma deuxième cible. Après ma troisième cible, bah, c'était Facebook. Facebook, en vrai, je ne foutais rien dedans. Je sais même pas pourquoi j'étais inscrit à l'intérieur. Mais je ne foutais rien dedans. Ça servait à rien. Donc du coup, ça, j'ai supprimé Facebook, j'ai supprimé Messenger. Ça, c'était facile. Et puis après, on avait le plus gros obstacle qui était Instagram. Parce que bon, Instagram, le truc, c'est que j'avais pas mal de contacts dont je n'ai pas le numéro de téléphone. Bah, voilà, j'avais des contacts, des amis dessus. Bon, je me suis dit, ouais, peut-être pas supprimer tout de suite Instagram. Mais le problème avec Instagram, c'est que c'est aussi une source de problèmes. Grosse source de problèmes même, c'est même le plus dur. Parce que les gens qui ont travaillé derrière cette application-là, même en général pour tous les réseaux sociaux, les gens qui ont fait ça, ils ont tout fait pour que tu restes dedans, pour que tu ne t'échappes pas. Mais Instagram, pour moi, c'était horrible. Parce que il y a cette idée, en fait, où je me disais, bah en fait, il faut que je garde quand même les nouvelles des autres, faut que je garde le contact et tout. Sauf que le truc qui est chiant avec ça, c'est que parfois, tu vois par exemple tel ou tel qui fait tel voyage, et toi t'es là, chez toi, tu fous rien. Bon, après moi personnellement, je m'amuse un petit peu, je sors, je fais mes sorties. Mais moi, déjà de base, je n'aime pas montrer ce que je fais dans ma vie. Enfin, je n'aime pas du tout montrer que ouais, je suis allé par exemple, bon, là ici on est en France, que ouais, par exemple, je suis allé au centre de Paris, ou que par exemple, je suis allé faire un tour, ou que par exemple, je suis dans un parc, ou des trucs comme ça. Je n'aime pas montrer ça parce que je me dis, mais. C'est quoi le but? C'est quoi l'intérêt? Après, il y a aussi l'aspect de se comparer aux autres. Et ça, c'est chiant.
Parce que t'as un gars qui va faire une photo totalement random et il va avoir des j'aime, des likes dans tous les sens. Et toi, t'es là, tu fais une photo, tu te dis « Oh, ma photo, elle est pas mal !» Et puis en fait, tu regardes la photo, tu te dis « Mais en fait, non, il faut que je modifie ça, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. » Et au final, on arrive à un autre point que je déteste sur Instagram, c'est qu'en fait, les gens veulent se montrer, entre guillemets, « parfait ». Les gens veulent montrer leur version totalement parfaite. Sauf que, à la plupart du temps, quand vous vous regardez, enfin, quand vous regardez même ces personnes-là, bah, en général, c'est pas tout le temps parfait dans leur vie. Donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que 0,001% de ce qui se passe dans leur vie. Mais c'est ça qui peut, par exemple, impacter les autres. Et les gens peuvent se dire, moi, dans ma vie, je suis là. Je suis allongé sur mon lit, je fous rien. Voilà. Alors que l'autre, il est en train de faire des voyages, il fait des trucs exceptionnels, des trucs incroyables. Fuck ma vie. Tu vois, tu peux par exemple te dire ça, ça peut vraiment provoquer une dépression. Mais quand je vous dis que ça peut vraiment provoquer une dépression, c'est pas de la blague, hein. C'est pas de la blague, je déconne pas, parce qu'il y a vraiment eu un moment dans ma vie, et ça pour le coup c'est vrai, je sais même plus si j'avais parlé de mon ancien Let's Talk, mais pour le coup dans ma vie, il y a eu un moment où j'étais vraiment en dépression, où je n'en pouvais plus. Et c'est dommage. Je sais pas. Même quand je regarde aujourd'hui autour de moi, vraiment je vous promets, autour de moi, dans mon entourage, quand je sors par exemple pour aller faire les courses ou des trucs comme ça, ou quand je vais par exemple attendre quelque chose, la première réaction que les gens ont, tous la tête scotchée sur leur téléphone. Et quelle est l'application ? Instagram. Voilà. Bon, après, faites ce que vous voulez sur les réseaux sociaux. Mais moi, en tout cas, pour moi, les réseaux sociaux, ça a beaucoup de désavantages. Et en fait, même en avril, je crois, du coup, en avril 2022, j'ai fait une petite expérience. J'ai commencé à enlever justement les réseaux sociaux. Et j'ai décidé de me déconnecter d'Instagram pour voir ce que ça fait. Et bonté divine. Et ça, c'est pas une blague. Hein. Bonté divine, ça fait du bien. Ça fait un bien fou. C'est un monde nouveau, vraiment, je vous promets. Essayez l'expérience si vous ne voulez pas supprimer vos réseaux sociaux, mais essayez l'expérience. Faites une semaine sans les réseaux sociaux. Au moins une semaine, même si vous pouvez un mois. Un mois sans les réseaux sociaux, ça fait du bien. Tu te lèves le matin, t'as pas ton téléphone qui sonne avec les notifications dans tous les sens. T'as pas un bombardement d'informations qui vient. Tu te lèves tranquillement, t'as bien dormi, t'es super content, tu te dis tu vas passer une superbe journée. Et au final, tu passes vraiment une superbe journée. Pourquoi ? Parce que t'as pas reçu de notification. Et après, à la limite, voilà, tu réouvres un petit peu pour voir si t'as pas reçu de nouveaux messages, des trucs comme ça. Et non, je vous promets, ça fait du bien. Les réseaux sociaux, vraiment, aujourd'hui, ça nous détruit. Vraiment, ça nous détruit et ça nous rend même moins sociables. Parce que, limite même, je vais peut-être aller un peu plus loin en disant ça, mais limite même, les réseaux sociaux nous rendent vraiment comme des machines. J'ai même pas envie de dire ce terme-là, mais vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, imaginez une top modèle qui fait ses stories et des trucs comme ça. Et là, tu as... Bon, pour vous faire la comparaison. Vous vous rappelez de Hugo Don Knuckles? Voilà, Hugo Don Knuckles, Queen, etc. J'en dis pas plus. Voilà, vous avez ça. Les Sims, voilà. Pour les gars, vous savez, c'est les Sims. Les filles, ça peut être genre, elle est plus belle que moi ou un truc comme ça. Et la fille, elle est en mode, fuck my life encore. Donc tu vois, c'est vraiment... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et je sais que c'est un peu brouillon. Mais je profite de l'instant pour faire le machin. Bon, je sais qu'en fond, j'ai mis un gameplay soit de Smash, soit de Fire Emblem. Mais en tout cas, désolé si ça paraît un peu brouillon. Mais voilà, j'ai oublié de... le faire. Je vais au moins faire cette vidéo et vous dire que vraiment, j'ai commencé à supprimer tous les réseaux sociaux. Mais bon, je reprends mon argumentation des réseaux sociaux. Ça a aussi détruit la concentration des réseaux sociaux. En fait, on est tellement bombardé d'informations que notre cerveau, il n'arrive plus à être concentré sur une tâche spécifique. Et ça, pour le coup, encore une fois, faites l'expérience. Moi, je l'ai faite. Je me suis déconnecté des réseaux sociaux. Et ça me fait un bien fou. C'est genre, je suis beaucoup plus concentré dans ce que je fais. Et après, on peut aussi refaire l'expérience de l'ennui. Mais l'expérience de l'ennui, c'est bien parce que ça développe la créativité. Et même quand vous vous ennuyez,
pouvez par exemple jouer aux jeux vidéo, vous pouvez faire du gaming, vous pouvez dessiner, vous pouvez lire. Et ça développe la créativité. C'est vraiment un boost de créativité. Et en plus de sur quoi, bah, parfois tu peux sortir pour aller revoir des potes ou des trucs comme ça. Et vraiment, tu vis l'instant présent. Vraiment, je vous promets. Les dernières sorties que j'ai faites, par exemple, avec certains amis, j'ai même pas utilisé mon téléphone. Hein. Je vivais l'instant présent. C'est... Voilà. C'est dingue, c'est dingue. Et c'est aussi un truc... Tiens, j'y pense. Un truc. Une fois que vous avez supprimé les réseaux sociaux, le temps... Oh là là, le temps, il est lent. Et ça fait du bien. Le temps, il est lent. Tu peux profiter du temps. Vraiment, il n'y a pas d'urgence. Tu profites du temps. Et aussi, ce qui est bien, c'est que tu n'as pas toutes ces informations du monde. Déjà que le journal de base, vous savez qu'il y a toujours des informations négatives dans le journal en général. Mais alors, si vous rajoutez les réseaux sociaux, bah, votre cerveau, il va être encore bombardé de journaux, enfin, d'informations négatives. Donc, ça détruit déjà le moral. Ça fatigue. Ça saoule. Et vous verrez aussi que parfois, moi, ça m'est arrivé aussi que parfois, tu peux dormir tôt. Mais quand je dis que tu peux dormir tôt, et même plus, mais ça fait du bien. Ça fait du bien. Enfin, en tout cas, voilà. Tout ça pour dire que vraiment, ça fait du bien d'arrêter les réseaux sociaux. Et même, vraiment, si vous avez la possibilité de supprimer les réseaux sociaux, faites-le. Alors, une chose par contre. C'est vrai que, bon, vous allez me dire, oui, mais tu fais des vidéos sur YouTube. Oui, c'est vrai, je fais des vidéos sur YouTube, je fais des lives sur Twitch. Mais personnellement, YouTube et Twitch, je ne considère pas ça comme des réseaux sociaux. C'est plus un petit peu du divertissement. C'est un endroit où tu peux partager ta créativité. Et c'est ça, en fait, le vrai truc qui m'a motivé à revenir sur la chaîne YouTube, en fait. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y avait quand même un long moment où je n'avais pas fait de vidéo sur YouTube. Là, je suis revenu récemment à refaire des vidéos dessus. Mais oui, YouTube, ce que j'aime bien, c'est que je partage ma créativité. Quand j'ai envie de faire une vidéo, je fais ma vidéo et hop, c'est bon. Limite même, ma pause, enfin même la suppression de tous les réseaux sociaux, là, m'a permis d'avoir un boost de créativité. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais par exemple, la série des Mohawk Artma, bah, c'est justement grâce à ça que j'ai... Enfin, grâce à ma pause, là, que j'ai pu faire cette série de Mohawk Artma, ou même les montages de Mario Strikers, même les montages de Smash Bros. J'ai eu un boost de créativité en supprimant les réseaux sociaux. C'est pas une blague. C'est vraiment, je ne rigole pas là-dessus. Mais voilà. Après, si vous considérez que, par exemple, passez trop de temps sur YouTube, moi, personnellement, c'est surtout les réseaux sociaux, genre Instagram, Facebook, Messenger, tout ça là. Moi, j'ai préféré supprimer tout ça parce que déjà, je ne vois plus l'intérêt. Et en parlant de ne plus voir l'intérêt, déjà, moi, personnellement, je trouve ça triste quand même sur les réseaux sociaux à quel point on cherche désespérément à trouver une validation des autres. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, ce que je veux dire, c'est que tu postes un truc et tu es là, tu partages, tu dis, tu supplies dans tes stories, parfois je vois ça, mais tu supplies dans tes stories aux autres, à ton public, aux gens, de repartager ton contenu, de mettre un like, de mettre des j'aime, de mettre des commentaires. Parfois, tu vas même essayer de commenter d'autres publications pour essayer désespérément d'attirer la personne chez toi. Tu suis même d'autres gens pour espérer avoir des followers, mais les gens ne te suivent pas. Enfin, c'est triste. Mais c'est surtout la valeur des likes, des followers, des commentaires, tout ça. En soi, les likes, les followers, les commentaires, est-ce que ça vaut vraiment quelque chose? Là, c'est la vraie question qu'il faut se poser. Est-ce que ça vaut vraiment quelque chose? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et je vais même vous dire un truc. Les gens s'en foutent dans les réseaux sociaux. Que vous postez un truc dans les stories ou des trucs comme ça. À part vos amis proches. Vraiment, à part les amis proches. Tout ce que vous mettez dans les réseaux sociaux, vraiment, les gens s'en foutent. Mais ils s'en foutent royalement. Je ne déconne pas là-dessus. C'est bah, d'ailleurs même la preuve quand j'ai refait mon nouveau compte. Les gens s'en foutaient. Enfin, voilà. À part ceux qui aiment vraiment ce que vous faites et vos amis, le reste, tout le monde s'en fout. Mais tout le monde s'en fout. Et c'est triste. Vraiment, c'est triste à quel point les gens cherchent
à essayer d'avoir le plus de followers, le plus de vues, le plus de trucs ou je ne sais quoi. C'est triste de voir ça dans le monde d'aujourd'hui parce que ça rend les gens faibles. Les gens sont faibles, c'est un truc de faible, très honnêtement. Parce que je vais vous dire une chose, la vraie valeur, enfin la vraie chose qu'il faut vraiment retenir, c'est vous et votre personne. Vous savez ce que vous valez. Vous savez ce que vous valez. Et c'est ça le plus important. Vous n'avez pas besoin de chercher à avoir la valeur des autres et des trucs comme ça. Vous savez ce que vous valez. C'est ça la vraie vérité, la vraie chose. Donc vraiment, voilà. Déjà, moi, j'ai vraiment supprimé tous les réseaux sociaux. Alors après, vous allez me dire, j'ai TikTok. Sur là, je dis oui, j'ai TikTok. Mais, twist, full counter, si je peux dire ça comme ça, TikTok, c'est pour moi un YouTube 2.0. Je m'explique. C'est surtout un endroit où je peux publier ou faire des short clips de ce que je fais sur YouTube. Donc c'est un moyen de promouvoir ce que je fais sur la chaîne YouTube. Et puis bon, TikTok aujourd'hui, c'est le meilleur réseau social. Et de toute façon, je modère facilement TikTok. Donc c'est le seul, mais quand je dis le seul, c'est le seul que j'ai gardé parce que déjà, j'ai le plus d'abonnés maintenant. Actuellement, c'est là où j'ai le plus d'abonnés, le plus de followers, le plus de likes. D'ailleurs, si vous avez vu mon montage de Mao Party en animé, c'est lui qui a explosé carrément en succès. Mais c'est le seul que j'ai vraiment gardé parce que c'est... voilà. Il a eu le plus de potentiel. En plus, ça m'a surpris parce que j'ai créé le compte TikTok l'an dernier. Ça ne fait même pas un an et je vais bientôt avoir 1000 abonnés. Mais bon, ça, je m'en fous. C'est surtout que c'est plus un moyen de promouvoir ce que je fais sur YouTube et Twitch. Donc voilà, principalement, là où je propage ma créativité et mon contenu, c'est TikTok, YouTube et Twitch. Et ce qui est bien, c'est que je ne passe pas des temps fous dessus. Regardez, voilà, on va faire un truc aussi. Allez dans les paramètres de vos téléphones et regardez, par exemple, combien de temps vous êtes passé sur telle ou telle application. Instagram, je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, mais Instagram, vous pouvez par exemple passer genre plus de 4 heures dessus à scroller, hein, vraiment à scroller. C'est ça le truc qui est triste. C'est même pas regarder des vidéos, c'est vraiment à scroller. Non, c'est... bon, je dis ça à Instagram parce que Instagram, c'est l'exemple qui me vient en tête, mais c'est la même chose avec Snapchat, c'est la même chose avec Facebook. Enfin, vous pouvez appliquer à n'importe quel truc. Mais vraiment... bon, je vais devoir malheureusement réduire un petit peu tous les trucs. Il y a plein d'arguments qui me viennent en tête, mais je crois que j'ai dit les principaux arguments sur les réseaux sociaux. Mais en tout cas, moi, aujourd'hui, je cherche à être la meilleure version de moi-même. Et je cherche à gagner le respect des gens. Je pense que le truc qui est triste avec les réseaux sociaux, c'est que les réseaux sociaux, on cherche à attirer l'attention des gens. Mais attirer l'attention des gens, très honnêtement, bah c'est un peu faible, quand même. Alors que chercher le respect des gens, ça, ça a plus de valeur. Donc moi, personnellement, j'ai voulu chercher à gagner le respect des gens. Et cette année, quand même, j'ai eu pas mal de challenges et je me suis quand même amélioré. Je fais tout pour que la version meilleure de... Pour être la meilleure version de moi-même. Et je fais tout pour que mon futur moi se dise merci. Merci l'ancien moi qui a fait tout ce travail pour être la personne que je suis aujourd'hui. Et pour être la personne que je veux être, moi en tout cas, je sais qu'il faut que j'arrête les réseaux sociaux. Et j'ai... honnêtement, c'est l'une des meilleures décisions que j'ai prises dans ma vie. Vraiment, c'est l'une des meilleures précisions... là, j'arrive plus à parler. Mais c'est l'une des meilleures décisions que j'ai prises dans ma vie parce que je me sens beaucoup plus libre et beaucoup plus responsable dans mes choix. J'ai un boost de créativité. Ma vie est tellement meilleure. Je profite mieux des instants présents. Je suis vivant. Je retrouve, en fait... voilà, c'est surtout ça que je voulais faire. C'est surtout que je voulais retrouver le moi qui n'avait plus besoin... enfin, le moi qui n'avait même pas besoin des réseaux sociaux pour vivre. Juste... quelqu'un qui profite de sa vie, qui est là, qui s'amuse, qui joue, qui fait des montages, qui dessine, qui passe du temps avec ses potes, qui sort pour marcher un petit peu, et trucs comme ça. Mais voilà, juste vivre ma vie sans à me soucier de ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe chez les autres. Et puis, à la limite, si j'ai envie de parler avec quelqu'un, bah, qu'il prenne mon numéro de téléphone portable. Et puis voilà, on discute. C'est tout. Soit on s'appelle, soit on discute, mais voilà. J'ai pas besoin d'aller regarder, d'être là.
Enfin voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà. Pour moi, c'est vraiment un move. Mais vraiment un move. Vraiment, faites-moi confiance. Si vous avez un truc qui vous bloque avec les réseaux sociaux, éloignez-vous, supprimez le compte, supprimez tout, supprimez l'application. Et là, vous allez être bien. Vraiment, je vous promets, vous allez être bien. C'est un truc vraiment bénéfique de supprimer les réseaux sociaux. C'est vraiment un truc bénéfique, je ne rigole pas. Mais bon, libre à vous de faire ce que vous voulez. Et bah voilà, c'est un petit peu ça que je voulais partager avec vous, que vraiment, voilà, j'ai pris la décision cette année en fait de supprimer les réseaux sociaux et je me sens tellement mieux par rapport à ça. Puis ça fait longtemps que j'avais pas fait un Let's Talk. Alors, je suis désolé si ça paraît vite, rapide, tout ça, c'est un petit peu brouillon, j'ai pas eu le temps d'écrire, mais c'est un petit peu une succession d'idées que j'ai en tête comme ça. Et puis, bah, je me suis dit, bon, l'occasion se présente. Je vais profiter pour faire l'enregistrement. Je vais pas faire un truc écrit. Je fais l'enregistrement et puis je mets un gameplay en fond. Alors je sais pas si j'ai mis Smash Bros ou si j'ai mis Fire Emblem ou si j'ai mis Mario Kart, mais qu'importe. En tout cas, je voulais mettre un petit gameplay en fond. Comme ça vous met bien avec une musique de fond aussi. Mais voilà, je tenais vraiment à faire ça et je tenais vraiment à partager tout ça. La vidéo est peut-être longue. Je sais pas si la vidéo aura des vues. Je sais pas, mais je m'en fous de tout ça parce que tout ce que je veux, c'est partager ma créativité, mon opinion, être sincère et honnête et à gagner le respect des gens. Donc voilà, si vous avez vraiment la possibilité d'enlever les réseaux sociaux, et ben faites-le, vous ne le regretterez pas. Et ben je crois que j'ai tout dit, honnêtement, je crois qu'on a fait le tour parce que j'ai plus d'idées, mais en tout cas, voilà. Ce qu'il faut, en tout cas, au jour d'aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça nous détruit, ça nous détruit, que ce soit personnellement ou que ce soit même au niveau social, les réseaux sociaux nous détruisent. Alors après, vous pouvez me dire, oui, mais tu peux enlever les gens que tu n'aimes pas, tu peux enlever les trucs comme ça. Mais encore une fois, il y aura toujours un truc que Instagram ou n'importe quel réseau social va te proposer. Et donc, que voilà, tu n'échappes pas. Le seul moyen de vraiment t'en échapper, c'est de supprimer le compte, supprimer l'application, et basta, on n'en parle plus. C'est tout. C'est ça le secret. C'est ça le secret. Il faut que vraiment aujourd'hui, vraiment c'est un truc, hein, il faut qu'aujourd'hui, on apprenne à vivre sans les réseaux sociaux. Ou du moins qu'on réapprenne pour certains à vivre sans les réseaux sociaux. Et croyez-moi, je vais me répéter encore dessus, mais croyez-moi, c'est la meilleure décision que vous pouvez faire. C'est vraiment la meilleure décision. Le gain de créativité, de boost et même d'estime de soi et de confiance en soi que vous pouvez gagner à partir de ça, c'est un truc vraiment phénoménal. Non seulement vous gagnerez un boost même en méditation, en lecture, même vous serez même plus concentré dans ce que vous faites, que ce soit même en jouant aux jeux vidéo, que ce soit en dessinant ou les trucs comme ça, vous gagnez un boost dans tout ce que vous faites. En supprimant les réseaux sociaux. C'est un vrai truc. Un vrai truc. Vraiment. Voilà. Je ne sais pas comment conclure ça, mais je pense que là, ça va bientôt faire 30 minutes. Donc je pense que je vais malheureusement arrêter ce truc. Encore une fois, bon, je n'ai pas eu le temps de bien écrire, donc je ne sais pas si c'est pas construit. Enfin, je sais que ça peut paraître plutôt mal construit. Que je me mélange dans les pinceaux, dans ma manière d'exprimer et tout. Bon, voilà, vous avez compris que voilà, je suis là et qu'il fallait que je fasse ce truc. Mais voilà, je voulais vraiment vous partager ça et vous dire que voilà, j'ai arrêté les réseaux sociaux et ça me fait du bien. C'est vraiment une très très bonne décision. Et ça rejoint en fait mon moi avant les réseaux sociaux, donc mon moi en 2016 qui ne voulait pas rejoindre les réseaux sociaux, bah au final j'avais raison, mon pressentiment était exact. Et je suis content qu'aujourd'hui j'ai pu me libérer de ça. Enfin bref, faut que j'arrête vraiment là. Parce que là, dites-moi ce que vous en pensez en tout cas dans les commentaires, parce que bon, ça va être pour ça, il faut que évidemment de la construction, des trucs constructifs, voilà, nous argumentons dans la joie et la bonne humeur. Et j'espère que ce genre de vidéo vous a plu. Bon, finalement, ça fait vraiment fait 30 minutes. Mais en tout cas, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.